Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je fais cette vidéo à la suite de ma vidéo produit terminé dans mon bain. Voilà, j'avais envie de vous présenter un article très fun, voilà, pour faire des boucles sans chaleur. Donc ce sont des petits bigoudis comme ceci en plastique tressés et qui reprennent leur forme. Donc voilà. Donc vous avez différentes tailles. Vous avez des petits, voilà, des moyens, voilà, vous en avez plein de différentes couleurs aussi, voilà. Donc comme vous avez pu voir mon autre vidéo, je me suis aussi préparée en même temps que je vous faisais voir mes soins. Je vais mettre donc ces petits bigoudis. Alors ça va pas être une vidéo sans chaleur, mais voilà, si vous lavez les cheveux le soir et vous mettez, voilà, ces petits bigoudis le soir juste avant de vous coucher, voilà, vous dormez toute la nuit avec et le lendemain vous aurez de super belles boucles sans chaleur. Voilà. Sauf que moi là, voilà, on est le matin, je me suis lavé les cheveux, j'ai grave envie de vous faire cette vidéo. Donc je vais accélérer le temps de séchage et je vais utiliser mon sèche-cheveux pour sécher mes cheveux. Donc on va tout de suite commencer à mettre les petits bigoudis. Donc voilà, je me suis un petit peu coiffée. Vous avez un petit crochet qui va avec, voilà, pour pouvoir insérer nos cheveux dans le bigoudi. Donc je vais commencer par les plus grands sur le devant parce que j'ai pas de mèche, et sur l'arrière je mettrai les plus petits bigoudis. Alors je connais pas vraiment exactement le nom de ça, mais voilà, c'est très fun. Je l'avais acheté chez Jiffy pour pas très cher, 5 voire 6 euros, voilà. Mais je sais pas s'il y en a encore puisque ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai et je vous avais jamais fait de vidéo sur ça. Et voilà, comme on est en confinement, j'ai tout mon temps pour vous faire des petites vidéos comme celle-ci. Donc en fait, c'est très simple. On va mettre le crochet à l'intérieur du bigoudi. Voilà, pour le détendre. Si j'y arrive. Voilà. Et on va prendre une petite mèche. Peut-être une assez grosse pour que je puisse faire tous mes cheveux. Voilà. Et après, alors attendez, on va faire comme ça, plus inverse. Ça sera mieux. Alors, je vois pas très bien. Et on va insérer. On insère ses cheveux à l'intérieur du bigoudi, s'il veut bien. Alors, normalement, ça se fait tout seul sans tirer les cheveux. Et là, ça veut pas. Voilà, et là on a, ah, j'ai mes cheveux qui se sont emmêlés dedans aussi. Voilà nos petits cheveux. Pourquoi c'est pas rentré ça? Bon, c'est pas grave, je mettrai à côté. Voilà, donc je vais faire toute ma tête comme ça. On va intervertir les couleurs aussi pour que ce soit plus fun. Voilà. Parfait. Alors on est sexy, hein, aussi, comme la Charlotte. C'est au top.
Yes, c'est disposé. Ça fait un peu chelou. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus long. Parce que voilà, pour les grandes chevelures, les longues chevelures, c'est un peu compliqué. Ou soit faut les descendre. Voilà, comme j'ai fait. Donc mes boucles, elles vont pas arriver jusqu'en haut. Elles arriveront un peu plus bas. Et voilà, je trouvais ça fun. Donc ça, vous pouvez dormir avec. Hein, c'est, voilà, ça bougera pas. Et puis, comme c'est du plastique, mais un peu mou, voilà, ça vous gênera pas la nuit non plus. Voilà, soit je les garde comme ça pendant une bonne demi-heure, ou soit je les sèche au sèche-cheveux. On va attendre et puis je vais voir. Voilà, là, j'ai laissé mes cheveux sécher tranquillement, il n'y a plus qu'à les enlever. Donc c'est facile pour les enlever, il n'y a plus qu'à tirer dessus. En espérant que ça m'arrache pas trop les cheveux. Un petit peu les défaire, mais là je vais avoir une grosse touffe. Puis mes cheveux se coincent dans mes ongles, ça les abîme un peu. Une petite matinée quand même, et comme je vous dis, vous les laissez voilà, toute la nuit à sécher, et voilà, vous aurez le même résultat le lendemain matin. Donc voilà, c'était vraiment pas très cher, ils étaient, comme je vous ai dit, entre 5 et 6 euros. Donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté ça, et c'est fun, voilà. Et ça fait de très belles boucles. Alors, faut bien quand même disposer les cheveux à l'intérieur. J'avais mal disposé mes cheveux, donc ils ont été un peu mal séchés. Et donc ça fait un peu des nœuds, mais c'est pas très grave. Donc après, voilà, on peut faire plusieurs coiffures. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un max de likes pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonner-vous en activant la petite cloche qui se trouve ici, je crois. Ça vous permettra d'être prévenu dès que je sors une vidéo. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc là, on verra mieux face à la lumière. Voilà le résultat. J'aime bien, j'aime bien. Après, je peux la remettre en forme. Ça fait la touffe quand même. J'ai pas l'habitude. Bon, par contre, voilà, oui, ça me fait un peu les cheveux. Pourtant j'ai fait un masque ce matin, mais on dirait qu'ils sont un peu abîmés. Mais voilà, c'est pas le cas, c'est comment j'ai disposé en fait mes cheveux dans le bigoudi, et donc je pense que ça me les a un peu abîmés. Mais bon, c'est pas très grave, on refait un petit masque et puis voilà, les cheveux repartent de plus belle. Voilà,
Moi, je les trouve vraiment très jolies. En plus, ça fait des boucles assez bien dessinées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, ça change. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des cheveux frisés, enfin bouclés. Et voilà, ouais, ça me plaît, même si c'est la touffe, ça change.